Bienvenue. Vous allez dans quelques instants effectuer un voyage dans l'arbre du vivant et découvrir les relations entre les espèces emblématiques qui le composent. Durant l'expérience, vous aurez parfois la possibilité de manipuler des éléments. Pour les faire tourner, déplacez les manettes en maintenant les gâchettes enfoncées. Pour agrandir ou rétrécir les éléments, écartez ou rapprochez les manettes en maintenant les gâchettes enfoncées. Pour démarrer l'expérience, vous allez sélectionner la bulle devant vous. Approchez la manette jusqu'à ce que la bulle soit en surbrillance, puis appuyez sur le bouton central. Voici une espèce que vous connaissez bien, la vôtre, l'Homo sapiens. Et voilà à présent d'autres espèces. Certaines ont disparu, d'autres existent encore aujourd'hui. Ces espèces, l'homme a cherché à les classer en se plaçant au-dessus des autres, comme un aboutissement, une finalité. Mais au fil du temps, sa compréhension a évolué. Et aujourd'hui, grâce à l'avancée des découvertes scientifiques, l'homme est considéré comme une espèce parmi d'autres. Remontez la lignée de l'Homo sapiens. Pour cela, sélectionnez la bulle de l'Homo sapiens. L'Homo sapiens appartient au groupe des hominidés, qui lui-même appartient au groupe des hominidés, qui appartient à celui des mammifères, à celui des vertébrés, des bilatériens, des métazoaires, des eucaryotes, qui sont eux-mêmes parents avec les archées et les bactéries. L'arbre est maintenant entièrement illuminé. Et pourtant, vous n'avez parcouru que votre propre lignée. L'homme est donc lié à toutes les espèces. L'étude des caractères anatomiques et les analyses génétiques ont permis de construire une classification des espèces appelée phylogénétique. Elle montre que tous les organismes vivants apparus sur Terre ont un ancêtre commun. Un organisme unicellulaire surnommé Luca, vieux de 3,5 milliards d'années. Une immense partie des espèces sont aujourd'hui éteintes. Sur le long terme, l'extinction est la règle, la survie est l'exception. L'évolution du vivant a été rythmée par de nombreuses périodes d'extinction, parmi lesquelles on distingue 5 extinctions massives. Dues à des événements naturels de grande ampleur, comme des variations du niveau de la mer, des éruptions volcaniques ou des météorites. La grande extinction la plus récente, il y a 65 millions d'années, a vu disparaître la plupart des dinosaures. Le vivant est entré dans une 6e extinction massive, cette fois causée par l'activité humaine. Vous avez vu tout à l'heure que toutes les espèces dans l'histoire de l'évolution ont un lien de parenté. Vous allez voir à présent que cette parenté réserve parfois des surprises. Parmi ces 3 espèces, sélectionnez les 2 qui vous semblent les plus proches. Ah, vous êtes tombé dans le piège des ressemblances trompeuses. Car en réalité, le saumon rouge est plus proche parent de l'homme que du requin marteau. Il s'est séparé il y a 425 millions d'années de l'homme, avec lequel il partage des os tels que le frontal, le pariétal et le maxillaire. Le requin marteau n'a pas ses os. Il s'est séparé il y a 430 millions d'années du saumon rouge et de l'homme. Les liens de parenté entre les espèces réservent bien d'autres surprises. L'homme partage par exemple un ancêtre commun avec la girafe. Difficile de s'imaginer que vous êtes parent de ce grand animal, n'est-ce pas? Je vous rappelle qu'à l'aide des gâchettes, vous pouvez agrandir, rapetisser ou faire tourner cette girafe. Savez-vous qu'une girafe n'a pas plus de vertèbres cervicales qu'un homme? 7. Simplement, elles sont plus grandes. À présent, vous avez la possibilité de poursuivre votre exploration en pointant les différentes espèces sur la sphère.
Vous pouvez aussi continuer à interroger les relations entre les espèces dans le jeu des parentés. Ou alors, vous pouvez rencontrer des espèces impressionnantes dans la galerie 3D. Bienvenue dans le jeu des parentés. Sélectionnez une espèce dans l'arbre. Pointez votre manette vers une bulle en surbrillance, puis appuyez sur le bouton central. Parmi ces trois espèces, sélectionnez les deux qui vous semblent les plus proches. Ah, vous êtes tombé dans le piège des ressemblances trompeuses, car en réalité, le loup est plus proche parent du morse que du tigre. Il s'est séparé il y a 47 millions d'années du morse, avec lequel il partage notamment une anatomie particulière des os qui contiennent l'oreille interne. Le tigre n'a pas ce caractère. Il s'est séparé il y a 57 millions d'années du loup et du morse. Bienvenue dans la galerie des espèces 3D. Pointez votre manette vers une bulle en surbrillance, puis appuyez sur le bouton central. Savez-vous qu'au fil de sa vie, la tortue change de régime alimentaire? Elle se nourrit de plancton, puis elle est carnivore entre 1 et 15 ans, avant de devenir herbivore. Savez-vous que la coccinelle à 7 points est utilisée dans l'agriculture? Prédateur très efficace des pucerons, elle est pour cela introduite